Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Ketani Style. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ces boutons recyclés pour en faire la décoration de nos maisons. Sans plus tarder, voici notre miroir que je vais utiliser. Et là, vous verrez, je trace la ligne de 5 cm qui va me permettre comme le point de repère. La première des choses à faire, c'est trouver la circonférence même du miroir. Ensuite, prendre les 5 cm que j'ai tracés. Et je vais m'en servir pour dessiner le restant des parties. Voilà, regardez et vous comprendrez de quoi il s'agit. En tout cas, les dessins dépendent de vous. Moi, je pense que celui-ci est mieux. Désolée pour le crayon, je me suis rendu que ce n'était pas très visible. Dans ces cas, je veux me permettre de renforcer le ligne. Donc voilà, pour vous permettre justement de voir mieux ce que je dessinais. Et voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est de couper le dessin. Couper. Après avoir coupé, vous voyez, c'est très beau. Là, maintenant, je vais utiliser l'attache. Donc, ça va me permettre de l'accrocher sur le mur. Donc, c'est très important. Regardez, c'est bien fixé. Donc, on n'aura pas le problème pour le fixer au mur. Et après avoir le mettre, je vais maintenant appliquer la peinture. Question juste d'embellir le carton pour que ça ne soit pas vu simplement comme un carton. Et là maintenant, je vais commencer à appliquer le bouton sur les cartons. Je vais utiliser ma colle à chaud et voilà. Et en ce qui concerne les couleurs des boutons que vous voulez utiliser, ça dépendra de vous. Moi, j'ai utilisé plus de 5-6 couleurs. J'ai mixé. Ce que j'ai évité, c'est d'utiliser la même couleur. Donc, jouez seulement à ça. Et j'ai aussi préféré utiliser le contour du dessin. J'ai utilisé des boutons un peu volumineux par rapport au centre. Et une chose encore, il faudrait déjà placer votre miroir au centre pour ne pas que vous ayez le problème à la fin. Parce que si vous l'appliquez à la fin, le miroir risque de ne pas avoir assez d'espace. Donc, rassurez-vous de ça. Je continue à appliquer. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est très beau à voir et ça sera tout. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification.